Un Américain. لازم يكون للشمس بس في حاجة ضايعة منه On l'entend encore? Ici Mailman 2-1 actual. Joey, tu me reçois? Réponds-moi, terminé. Il est mal en point. Il faut se dépêcher. On vérifie les armes. Faut rien laisser au hasard. Quel temps pourri! C'est un trou sans fond ou quoi? C'est récent. Cette roche est super dure. Ces choses seraient passées par là? J'ai pas envie de rester ici pour le découvrir. Beaucoup de sang. Ça doit être une sale blessure. Il s'est passé un truc vraiment horrible ici. Faut se manier. Décembre 1946. Nos découvertes sont tellement spectaculaires que je n'ai pas résisté à sabrer le champagne. En entrant dans la tente de la mission pour en verser un verre à Marie, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Elle avait trouvé la caisse de dynamite de Bradshaw. J'ai tenté de la calmer. Mais elle s'est emportée, vitupérant contre les risques liés à l'utilisation d'explosifs sur un site. Évidemment, elle avait raison.
et je m'en suis voulu de lui avoir caché cette information. C'est alors que Crow est arrivé pour récupérer la dynamite. Quand Marie lui a ordonné de la reposer, il l'a regardée droit dans les yeux et lui a dit avoir trouvé quelque chose en bas. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé en bas ? On sait à quoi on a affaire. Maintenant, on ouvre l'œil. Bon sang, quel merdier! Faut me couvrir. On n'aurait pas dû venir ici. On se concentre. Il n'est peut-être pas seul. Ah ! Joey, c'est toi ? Pas trop vite. Y a un truc qui cloche. Génial. Ici Mailman 3 à Mailman 2-1 actual. Répondez, lieutenant, à vous. Ici Mailman 3 à Mailman 2-1 actual. Répondez, lieutenant, à vous. Oh non. Par là-bas, il y a un démon. Au bruit, au son. S'ils t'entendent, ils te traquent.
Je connais leur point faible. La lumière du soleil. Comme tous les êtres vivants, ils peuvent être tués par un pieu dans le cœur. Vos balles ne feront que les ralentir. Même si un camion leur tombait dessus, ils seraient à peine agacés. On va faire ça ensemble, ok? On peut l'éliminer. Placez-vous sur le côté et attirez son attention. Je m'occupe du reste. Je suis prêt. Allons-y. J'en ai vu des choses moches dans ma vie. Mais jamais aussi moches. Qu'est-ce que c'est que ces trucs, bordel? Ces monstres sont partout! Je n'avais jamais eu affaire à des ennemis aussi vicieux. C'est quoi ces choses, d'après vous? Honnêtement, j'en sais rien. J'ai pas pensé à demander. Et vous? Je ne sais rien de ces créatures. Je ne devrais pas être là. Je devrais être chez moi, avec mon fils. Ouais, je comprends. La famille, c'est important. Je n'aurais jamais dû venir. C'est son anniversaire. Dommage. Vous seriez mieux avec lui. Il a quel âge? Assez vieux pour se prendre pour un homme. À l'orgue,
C'est un gamin. Il fête ses 18 ans. Wow! Ah ouais, ça compte. Vous savez quoi? Votre plus beau cadeau pour lui, ce serait de vous voir rentrer chez vous. C'est la seule chose qui me fait tenir. Si on est en enfer, je devrais au moins vous dire mon nom. Nick Kay, sergent. Salim Othman, lieutenant. Armée irakienne. Shukran Yehoui. Ici Mailman 2, actuel à Mailman 3. Tu me reçois à toi? Ouais, je te reçois bien, mon vieux. Je vois ta torche, avance encore. Je suis droit devant, à toi. Je viens te chercher. Vos amis ont intérêt à se tenir à carreau. Vous devez me faire confiance. Ils vous feront rien. Vite, allongez-vous, à plein ventre! Arrêtez de braquer votre arme sur moi! Doucement, on se calme, on se détend. C'est pas un ennemi. Je ne vous veux aucun mal. Votre uniforme me dit tout le contraire. Lâchez votre arme et plus vite que ça! Non. Baissez d'abord la vôtre. Lâchez votre arme ou bien j'appuie sur la gâchette! Je vous jure sur Ali Baba et les 40 voleurs que ce sera votre dernière erreur! Je n'ai pas fait tout ça pour me faire tuer par un Américain à la gâchette facile! Ok. Ça suffit. Ce n'est pas la peine de nous battre. Plus maintenant. Je devrais me contenter de vous mettre une balle dans le crâne. Ça ne changerait rien. Je serai toujours en enfer. Ne me tentez pas. Il faut qu'on retourne au temple. Attache-le. Si t'en as quoi que ce soit, tu le descends. Après tout ce qu'on a vécu. Sérieusement. Hé, hey, vous avez fait ça ensemble, tous les deux? Ensemble, oui. On s'est serré les coudes, et voilà. Jason, il faut qu'on parle de ce type. Pas maintenant. C'est un plan foireux. Je sais pas ce qui est arrivé à Joey, mais il est mort. Et il y a je ne sais pas combien de ces monstres qui traînent. Il faut se retrancher dans le temple et se regrouper. C'est le meilleur plan que j'ai entendu aujourd'hui. Ça va secouer. C'était la dernière. Ça devrait au moins les ralentir. Assez longtemps pour les repérer sur les caméras. Faut remettre ce fil de détente. Aide-moi un peu. On s'est déjà trouvé dans des situations de merde. Hein, mais jamais à ce point-là. Si je dois combattre ces choses, je suis content que ce soit à tes côtés. Tu sais que tu peux compter sur moi, mon pote. Quoi qu'il arrive. C'est vraiment superbe. Tu trouves? Je me demande combien d'endroits comme ça on a fait sauter sans réfléchir.
Ces reliques sont bien mieux enfouies dans la terre. Mais qu'est-ce qui te prend? Ces gens ne voulaient pas de cette guerre. Qu'est-ce qui te prend de défendre l'ennemi, mon pote? On le sait que tous les deux, ce ne sont pas tous nos ennemis. Merde, Jason! Tu parles de la femme du poste de contrôle? Merde, Nick, encore cette histoire. On pensait qu'elle avait une bombe. Et c'était juste un sac de provisions. On a merdé. La mort de cette femme te fait dérailler, mon pote. Ouais, c'est exactement ça, mon pote. Toi, ça te fait pas dérailler. Il faut encore couvrir le flanc est. Ouvrons l'œil. Allons-y. Les démons vont m'écharper. Il faut me détacher. Vous croyez que je laisserais mon pote ici si c'était dangereux? C'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. Tout va bien. Votre ami va vous protéger. Pas de panique. On a bien sécurisé cet endroit. Cet endroit est parfaitement sécurisé. Je serai plus en sécurité avec une arme dans les mains. Hors de question que je vous donne une arme. Mais je vous laisserai pas pour autant vous faire bouffer par ces démons. Si ça s'agite, on sera là avant que vous ayez commencé à prier. On a du boulot. Allons-y. Merde, ces portes ont été plombées. Ces choses sont certainement passées ici en force. Celui qui maniait cette arme a tenu bon pour les contrer. Avant de se faire massacrer par derrière. Ces créatures sont malignes. Ce sont des prédateurs. Je te parie ce que tu veux. Si elles sont passées par là, elles pourraient revenir. Sympa, c'est un bon goût de l'enfer. Une phosphorescence qui nous nimbait tous d'une lueur surnaturelle. Lady Bradshaw a insisté pour que nous descendions davantage. Marie a sans doute raison. Bradshaw prend de plus en plus de risques et devient incontrôlable. Mais je ne peux m'empêcher de penser à ce qui se cache dans les profondeurs. Je travaille maintenant avec Crow et Pullman afin de mettre en place un train et un ascenseur pour descendre dans. Je me demande quel mystère renferme ce lieu. C'est quoi? Ils ont trouvé un truc bizarre ici. Non, sans blague.
Quelle merde. T'as trouvé quoi? Rien qui puisse nous faire sortir d'ici. Franchement, au point où on en est, je me foutrais même des joyaux de la couronne. Parfait. C'est un bon point d'étranglement. Ces saloperies qui viennent des profondeurs passent forcément par ici. On pose des charges? Ouais. Piège ces piliers pour couvrir toute la zone. Par contre, les fils de détente seront visibles. Tu crois que ces créatures les remarqueront? Faut pas les sous-estimer. Si on piège les côtés, il y a plus de chances de les avoir. Moins de dispersion, mais ce sera mieux planqué. T'en penses quoi? Faut couvrir un max de surface. On va piéger le milieu du couloir. C'est parti. Il va falloir qu'on mette le paquet. J'entends d'ici ton cerveau qui cogite. Qu'est-ce qu'il y a ? Fallait faire une deuxième sommation. Putain, pourquoi je t'ai demandé ça? Je veux plus qu'on revienne là-dessus. Ouais? Tout a été dit, non? Tu sais que ce poste de contrôle était visé par les kamikazes. Il a fallu qu'on improvise. Il fallait faire un choix. C'était un mauvais choix. Pourquoi on déforme toujours l'histoire? Tout le monde raconte des conneries pour s'en tirer. C'est pour ça qu'on est dans cet immense bac à sable, non? Je veux la vérité, Jason. Je tourne pas rond depuis qu'on a tué cette femme. Tu voudrais me faire croire que ça t'a absolument pas touché? On a merdé. Si jamais on sort d'ici, il faudra s'amender. Et si on crève ici, c'est peut-être qu'on le méritait. Tu sais que je voyais Rachel. Tu te fiches de moi. Depuis 3 semaines. C'est armé. Place une caméra et on y va. Jason!